Bonjour, moi c'est Marianne, je suis secrétaire comptable de la librairie. Je travaille depuis environ 26 ans et je suis tout récemment ici dans ces nouveaux locaux que nous venons d'acquérir. Donc voilà, je vais vous faire visiter la grande pièce principale qui va nous permettre d'accueillir des auteurs dans de bonnes conditions, de faire des lectures, éventuellement les bibliothécaires quand on fait des journées d'information. Alors moi, la librairie, maintenant, je suis depuis quelques années, je m'occupe plus ou moins de la gestion, je suis secrétaire comptable. Olivier a beaucoup d'autres choses à faire, il est gérant, mais donc c'est moi qui vraiment gère la comptabilité fournisseur, la comptabilité client, les banques, veiller à ce qu'il y ait toujours des sous sur les comptes. Allô ? Voilà, c'est 90% de mon travail, puis les 10 restants, ben, je continue à faire les livraisons. Je donne de temps en temps un petit coup de main en bas et en particulier pour les retours parce qu'on reçoit beaucoup de livres mais on en retourne aussi énormément donc on essaye de s'astreindre à en faire au moins une fois par semaine. Donc voilà, le gros de mon travail. Oui, j'aime bien lire mais j'ai des périodes. L'été je lis énormément, quand je suis en congé je lis un livre par jour. Mais l'intérêt que j'ai moi c'est de pouvoir lire ce que je veux quand je veux. Donc voilà. J'ai entendu parler de ça, j'ai envie de le lire. Donc il est là sur mon bureau en attendant que je l'attrape. Ça, c'est un client qui me l'a conseillé, qui m'a dit que c'était magnifique, donc je me le suis commandé. Voilà, je lis. Mais moi, j'ai l'avantage, n'étant pas à la vente et au conseil, je peux lire ce que je veux quand je veux. Donc des vieilleries, des choses qui n'ont rien à voir avec l'actualité. Donc c'est l'intérêt. Alors ce qui est cool, c'est que j'ai ma petite terrasse pour me fumer mes petites cigarettes tranquilles. C'est sympa parce que je vois les gens, mais eux ne me voient pas parce que personne ne pense à lever les yeux. Il n'y a qu'un chat qui habite par là qui me repère tout le temps. Voilà, c'est ma vie au travail.